Pour une gestion plus durable des forêts du Cameroun, le gouvernement avec l'ONG Forestry Stewardship Council a organisé à Yaoundé un atelier sur les nouvelles normes nationales pour la certification des forêts camerounaises. Les participants ont été soumis aux critères sociaux et environnementaux pour une gestion responsable de nos forêts. Cameroon joins the world at large to commemorate the World Cancer Day, which is aimed at encouraging the early detection and prevention of this illness. Good evening, viewers, and thanks for joining us on this bilingual newscast. Francis, we will present the first part in the French language. Good evening, Fran. Bonsoir, Santia, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec la sécurité routière. Ce week-end, le carrefour Tchan était bien évidemment l'objet de contrôles de sécurité. Il est question de réduire le taux d'accidents sur nos routes dus aux erreurs humaines. Reportage aux Zerungupayo. Mettre fin aux accidents de la route, ou du moins les réduire en leurs plus simples expressions, c'est le leitmotiv de la mission de prévention routière sur nos routes. Le carrefour Bamungum, cette zone réputée accidentogène sur l'axe Bafoussam-Bouda au niveau de l'embranchement pour le département de la Ménois, était samedi 2 février dernier le théâtre d'une mission de contrôle sous la conduite du peloton de gendarmerie de Bafoussam. Une initiative qui change quelque peu les habitudes des usagers. Les cas de transport clandestin, les surcharges et aussi en ce qui concerne les véhicules administratifs, il y a certains papiers que nous devions vérifier à l'instar de l'autorisation de circuler parce qu'on a constaté qu'il y a certains responsables qui utilisent les véhicules administratifs pour des besoins privés. Oui. Au cours de cette sortie, tous les véhicules ont été passés au peigne fin dans un contexte d'insécurité ambiante. Il fallait en tout cas montrer patte blanche avant de traverser. Vous constatez que depuis la mise en place de la mission de prévention routière sur nos routes, on a constaté une baisse des accidents sur nos routes. Il est question de capitaliser sur ces succès et de réaliser plus de baisses dans ce domaine. Il est question aussi de continuer à lutter contre la circulation des armes, des munitions sur nos routes, parce que nous savons que le pays fait face à quelques difficultés et nous devons, dans le cadre de cette mission, combattre toute circulation des objets dangereux, des armes sur nos routes. Si le tueur numéro 1 sur nos routes, c'est l'excès de vitesse selon la mission, il est de bon temps que les conducteurs prennent conscience afin de limiter les dégâts. En tout cas, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Mesdames et messieurs, allons à la cité estudiantine à Tchan, où le vivre ensemble a été prôné lors d'un événement organisé là-bas par l'ONG PIPAD et le gouvernement camerounais à travers le préfet de la Ménois. Reportage Valdo Sioui. Dans la ville de Tchan, impulsé par le docteur Sanou Sobdé, plus de 2500 déplacés des régions en crise ont reçu un appui socio-sanitaire. Les déplacés venus en grand nombre ici à la place des fêtes de la ville ont bénéficié des tests du dépistage du VIH, des hépatites virales et du paludisme. Avec l'arrivée du deuxième adjoint préfectoral de la Ménois, la cérémonie a débuté avec l'exécution de l'hymne national. La cerise sur le gâteau était la remise des dons aux déplacés, une initiative que l'autorité n'a pas manqué d'apprécier. C'est une belle initiative pour la prise en charge des déplacés venus du nord-ouest et du sud-ouest et aussi la distribution de ces kits pour soutenir nos frères. Nous voulons marquer notre satisfaction et encourager les promoteurs du PIPAD. Ainsi que tous les donateurs qui ont bien voulu faire un geste à l'endroit de ces populations qui sont présentes ici dans notre ressort de commandement. Pour donner une coloration locale à l'événement, l'artiste Guy Tomo a presté ici même à la place des fêtes
afin d'arracher le sourire au grand public. Déjà, la première chose, c'est le sourire qu'on a réussi à donner aux mamans, aux jeunes et à nos frères et sœurs. Ce sourire est très, très important. Notre action est axée sur un développement immédiat, accompagné avec une vision de développement soutenable. La ville de Tchang, devenue une ville d'accueil, devra multiplier de telles actions pour que le flux de déplacés constitue plutôt un levier de développement local. Journée mondiale de lutte contre le cancer, le Cameroun, en droite ligne avec la communauté mondiale, célèbre ce jour cette autre journée qui vise à bouter hors des frontières du monde d'ailleurs cette maladie qui terrorise et reste l'un des tueurs les plus en vue sur la planète. Reportage Henriette Dormo. Première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. Il fait beaucoup moins parler de lui, mais il tue. Pourtant, il se soigne et l'intérêt de cette journée est aussi de faire prendre conscience de l'utilité d'un dépistage précoce permettant d'arriver à une guérison. Selon l'Institut national du cancer, 40% des cancers pourraient être évités par des modifications des modes de vie et dans l'environnement. Le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé qui estime que 84 millions de personnes sont mortes du cancer entre 2005 et 2015 sans intervention. Les pays à faible revenu et à revenu moyen sont plus touchés par le cancer que les pays à ressources élevées. La Journée mondiale contre le cancer fait partie de la campagne mondiale contre le cancer qui répond à la Charte de Paris adoptée lors du Sommet mondial contre le cancer pour le nouveau millénaire le 4 février 2000. Elle appelle à une alliance forte entre chercheurs professionnels de la santé, patients, les gouvernements, les partenaires de l'industrie et les médias pour lutter contre le cancer. La Charte de Paris a désigné le 4 février de chaque année comme journée mondiale de lutte contre le cancer. Vous l'avez rectifié par vous-même, c'était bel et bien le reportage d'Inès Soudia. Nous parlons de biodiversité actuellement. La gestion responsable et efficiente de nos forêts, c'est la lutte que devra mener le gouvernement à travers ses instances de décision. Nos forêts doivent être protégées et exploitées avec minutie. Reportage Henriette Dogmont. 42% de la superficie du Cameroun est couverte de forêts, soit environ 19 916 000 hectares. Ces forêts représentent des ressources essentielles pour beaucoup de Camerounais. Produire du bois ou des produits à base de bois sans compromettre la pérennité des forêts, respecter donc les procédures de gestion durable, c'est l'objectif du gouvernement camerounais en partenariat avec Forestry Worship Council, ONG internationale. Au cours donc d'un atelier regroupant les propriétaires forestiers, les entreprises actives dans la filière bois, les ONG et partenaires au développement, une réponse a été donnée aux questions de la déforestation et la mauvaise gestion des forêts tropicales humides dans le bassin du Congo en général. L'élaboration des normes nationales font partie de la pratique FSC, où chaque chambre, chaque partie de, qui correspond à, au soit à la chambre économique ou sociale ou environnementale, et toutes les parties prenantes donc sont invitées à participer à l'élaboration des normes FSC. Le document soumis à l'étude des participants est un guide qui servira à la promotion de la gestion forestière responsable en Afrique. Nous allons maintenant prendre toutes les suggestions qui ont été approuvées pour pouvoir réintégrer dans le document draft 2.2 de la norme FSC et finaliser ce document afin qu'il soit envoyé au FSC pour approbation. Fixer les normes de gestion responsable des forêts et garantir la traçabilité des produits issus des forêts jusqu'aux consommateurs permettrait une promotion et une gestion durable plus efficiente de nos forêts. Redonner une formation de qualité à nos jeunes, tel est le leitmotiv du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, à la tête de laquelle le ministre Issa Tchiroma trône depuis quelques semaines. Il est question, bien évidemment, à travers son département ministériel, de revoir la qualité de la formation et surtout la qualité de ce qui est donné aux jeunes pour un
lendemain meilleur. Reportage en rien dormant. De la densification des offres de formation à la promulgation de la loi régissant la formation professionnelle, en passant par l'arrimage de la formation aux normes et standards internationaux, entre autres, la formation professionnelle est un secteur qui, selon un citoyen lambda, doit impulser le développement du Cameroun. C'est ce qui justifie le fait que ce secteur, depuis quelques années, fait l'objet de toutes les attentions et les gouvernants en ont conscience, malgré le manque de formateurs spécialisés. Le ministère a la responsabilité, évidemment, de trouver de l'emploi. Mais en vérité, pour trouver de l'emploi, il faut d'abord avoir un métier, et pour avoir un métier, il faut former. L'immense majorité de nos jeunes ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas de métier. Le ministère entend donc focaliser toute son attention sur la formation de formateurs, sur les centres de formation professionnelle. L'amélioration du système de formation s'accélère au jour le jour avec divers moyens. Les différents centres de formation d'excellence, à savoir Douala, Limbé, Sanmélima, marquent une nouvelle ère. Ces centres devraient identifier l'offre et s'ajouter aux structures de formation publiques et privées, même si la disponibilité des ressources humaines pose encore problème. C'est ce qui est donc au centre des travaux des personnels des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle en conclave depuis mercredi. Ceci dans le cadre de la 14e conférence annuelle placée sous le thème « Enjeux et défis de la formation des formateurs dans un système de formation professionnelle pour l'emploi ». Une occasion de trouver des solutions innovantes et une implication pour l'objectif de ces travaux qui se sont achevés ce jour. Et sans transition, nous voici en sport. Mesdames et messieurs, la saison 2018-2019 a pris son envol ce week-end. Quelques résultats avec vous, Nicodème Tétan. Fini peut-être le bras de fer entre la Ligue et les syndicats de clubs d'élite. En effet, la saison sportive 2018-2019 a été enfin ouverte ce week-end au grand bonheur des amoureux de sport roi qui piaffaient d'impatience. Canon de Yaoundé et Yon Sport Academy ont donné le temps au match d'ouverture au stade militaire de Yaoundé en venant à bout de leur adversaire Panthère Sportive d'Yaoundé et Din Football Club sur le score identique d'un but à zéro. C'est donc un ouf de soulagement pour les organisateurs de cette compétition qui devra prendre fin impérativement en fin mai 2019. Les autres clubs ont pris le relais 24 heures après. Belle opération pour le tonnerre de Yaoundé qui a désillusionné les Nassara Kamaka et 3 buts à 0. La colombe de Ndjaye Lobora survolé nu star de Douala 3 buts à 1. Bonne rentrée en élite 1 pour PWD de Bamenda, tombeur de APGS de foot 2 buts à 1. La rencontre entre les équipes sœurs de Dieudonné Kamdem s'est achevée sur la large victoire de Fovo de Baham sur Astre de Douala 3 buts à 1. Stade Renard de Melon et Fetch Football Club se sont neutralisés 0 but partout. Le dernier match de cette première journée est programmé ce mercredi après-midi et mettra aux prises les Bleus de Avion Duncan à Coton Sport de Gawa. Unisport du Onkam et Dragon de Yaoundé étaient exempts de cette première journée. En attendant l'issue de cette rencontre, il faut signaler que 18 buts au total ont été inscrits au cours de cette première journée. Les équipes de Ligue 2 prennent le relais ce mercredi après-midi avec un certain Racine de Bafoussam et Lyon blessé de Fotouni au stade municipal de Foumbot. Voilà, mesdames et messieurs, nous ouvrons la page étrangère avec la République centrafricaine où la paix pointe à l'horizon. C'est bien évidemment à l'occasion de la signature de cet accord de paix entre les groupes rebelles et le gouvernement centrafricain du côté de Khartoum. Les détails dans ce reportage. L'accord de paix qui a été obtenu samedi entre 14 groupes armés et le gouvernement de la République centrafricaine est le 8e depuis 2012. La République centrafricaine, pays en guerre depuis 2013, a eu pas moins de 7 accords de paix en 5 ans. Ceci sans qu'aucun aboutisse
au retour à la stabilité. Le nouvel accord a été négocié sous l'égide de l'Union africaine et de l'ONU. Un espoir pour la paix dans un pays endeuillé par des années de conflit. Selon les premières informations, l'accord pourrait prendre en compte la mise en place d'une commission justice, vérité et réparation, l'instauration de brigades mixtes et un gouvernement d'ouverture ou d'union nationale. Et dans un pays où les groupes armés contrôlent environ 80% du territoire, ce nouvel accord, le 8e, suscite un nouvel espoir. La cérémonie de paraphe prévue dimanche dernier a été reportée à demain mardi à cause d'un contretemps dans le calendrier des chefs d'État attendus, à l'instar de Omar el-Béchir du Soudan et Idriss Déby du Tchad, dont l'influence est jugée indispensable à la réussite du processus. Nous sortons avec le Bénin où la Banque mondiale vole au secours des femmes, ceci pour leur autonomisation de ce côté. Inès Soudia nous donne plus d'amples informations. La Banque mondiale vient d'octroyer au Bénin une enveloppe de 90 millions de dollars, soit environ 45 milliards de francs CFA. Dans un communiqué rendu public à cet effet, l'institution financière internationale a indiqué que ce fonds constitue un financement additionnel en faveur du projet régional sur l'autonomisation des femmes et la dividende démographique dans le Sahel et représente un investissement important qui bénéficiera davantage aux communautés pauvres des zones rurales du pays. Il vise à soutenir la demande des services relatifs à la santé, de la reproduction, de la mère, du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent et de la nutrition. La même source indique que le financement servira également à renforcer les capacités et à augmenter le nombre de personnels pour les soins qualifiés et la mise à disposition des produits essentiels comme les contraceptifs dans les zones les plus isolées. À travers ce financement, l'institution vise également à assister le gouvernement béninois à améliorer le développement humain pour à plus long terme tirer profit d'un dividende démographique. Ainsi, le projet est aligné sur le programme d'action du gouvernement. Il s'inscrit également dans le cadre du partenariat du groupe de la Banque mondiale avec le Bénin pour période de 2018 à 2023 qui vise à donner davantage le levier économique aux femmes en intégrant des activités en leur faveur dans toutes ces opérations. Ce que femme veut, Dieu le veut. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que nous refermons la première partie de votre journal. La seconde vous est présentée par Santia. Santia, votre télé. Good evening once more, Frank Siri. Good evening to all our televiewers and thanks for joining us on the second part of this newscast in the Queen's language. We start this newscast in health. Cameroon joins the international community to commemorate the World Cancer Day, which is meant to raise awareness of cancer and to encourage its prevention, detection and treatment. Let's have the details in this report. World Cancer Day, organized by the Union of International Cancer Control and celebrated each year on February 4th, is an opportunity to rally the international community to end the injustice of preventable suffering from cancer. This year's theme, I Can, We Can, acknowledges that everyone has the capacity to address the cancer burden. This day is aimed at encouraging people to work together to reduce cancer risk factors, overcome barriers to early diagnosis, treatment and palliative cure. The primary goal of World Cancer Day is to significantly reduce illnesses and death caused by cancer and is an opportunity to rally international community to end injustice of preventable suffering from cancer. Cancer is a group of diseases involving abnormal cellular growth which spread threatening other tissues. Cancer is when abnormal cells divide in an uncontrolled way. Some cancers may eventually spread into other tissues. Cancer starts when genes changes, make one cell or a few cells begin to grow and multiply too much. This may cause a growth called a tumor. A primary tumor is the name from which a cancer starts. Cancer can sometimes spread to other parts of the body. Cancer can affect body systems such as blood circulation, lymphatic and immune system, and the hormone system. Many cancers are cured, but in some people, it can return. This day has an aim to improve access to cancer care, support others, inspire actions, take action, stop smoking, create healthy environment, and understand that early detection saves lives.
Away from health, the president of the National Communication Council, Peter Isoka, has made public a press release calling on journalists to maintain professionalism in all their write-ups and information dissemination. Betty Limunga has the details. The president of the National Communication Council, Peter Isoka, made the call over the weekend in some capital cities of the country. Main brain behind the release is in reaction to media coverage following the recent and continuous socio-political challenges initiated by citizens with contrary views to those in position in regards to the present predicament of the country. The president, however, frowns to the fact that the National Communication Council for some time now has observed that a number of press continue to function without foundation, in effect, turn to spread opinion contrary to the government's position, thereby maintaining a confusion in the public opinion as well. However, the call is coming at a time when the Cameroon government is sparing no efforts to crack down on fake news and hate speech. Move away from the West region, we move to Chang. The National Day of Living Together was observed in Chang this weekend. Several internally displaced persons were handed gifts, and there was also a free screening test. Ebane Tungwe tells us more. The National Day of Living Together was celebrated this weekend in Chang. During the ceremony, more than 2,500 displaced persons from the troubled regions received gifts and free health screening from HIV and hepatitis. The ceremony started with the singing of the national anthem, after which displaced persons were handed gifts, an initiative appreciated by the population and the authorities. C'est une belle initiative. It is a good initiative to have supported displaced persons from the northwest and the southwest regions, and also the distribution of these gifts to support our brothers and sisters. We are encouraging the promoter of PIPAT and also all those who donated in order to assist these displaced persons. Un geste à l'endroit de ces populations qui sont présentes ici dans notre ressort de Colombie. The ceremony ended with a colorful performance from Guy Sopmo in a bid to put a smile on the people's faces. We are happy to have put a smile on the faces of our brothers and sisters. This smile is very, very important. Our action is motivated by immediate development. Vision de développement soutenable. The people hope such actions will be frequent in the city of Chang, which has become a refuge place for several displaced persons. We move from now to our sports pitch. The Elite One and Elite Two Championship was effectively started based last weekend, with many clubs coming out victorious. Let's have the details in this report. It was on Saturday that both Elite Championship for the 2018-2019 competition of Cameroon started. The military stadium in Yaoundé served as a place for its launching by the president of FECAFOOT, Seydou Bombonjoya. Canon of Yaoundé and Young Sport Academy started with the opening match, followed by Panthère Sportive of Day and Eden Football Club with an identical score of 1-0. This is a relief for the organizers of this competition, which is due to end by May ending. The other clubs followed 24 hours after as Stone Kalara Club of Yaoundé beat the Nasara Club 3-0. Kolong of Nja and Lobo beat New Stars of Douala 3-1. As for PWD of Yaoundé, she beat Apejez of Fou 2-1. Vovo of Bahama against Astro of Douala brought a 3-1 goal. Stade Renard of Melong, Fejo Football Club, played a neutral match 0-0. The last match of this first day of play will be in count of Avion of Cam, Tukoton Sport of Garoua, Union Sport of Onkam, and Dragon of Yaoundé. While waiting for these other encounters, it should be noted that 18 goals were recorded in this first day of play. The teams of League 2 would take over this Wednesday with Raseng of Bafoussam against Lyon Blessé of Futuni at the Fumbot Municipal Stadium. For all lovers of football. We now move on to our forum pitch.
with the usual, with no usual traffic on the streets of Addis Ababa, the capital city of Ethiopia, yesterday observed the car-free day. Lovers of sport came out in the numbers to observe this day that was established in 2018. Details in this report. Ethiopia observed the third car-free day yesterday on the 3rd of February 2019. With no usual traffic on the streets in the capital city Addis Ababa, football lovers took to the streets. The event also allowed skateboarders to showcase their skills. Sport groups equally came out in their numbers, carrying out various sporting activities like jogging, stretching, among others. The event was equally celebrated in other cities in Ethiopia. The car-free day in Ethiopia was implemented in 2018 by the government of Prime Minister Abiy Ahmed, who came to office last April. This monthly event, promoted by local non-governmental organizations and the Ethiopian government, is designed to promote physical exercise among residents while creating awareness in car pollution. It is worth noting that Rwanda is the first African country to implement the car-free day in 2016. We now move now to Benin. The board of the World Bank has approved $90 million to assist the government in the empowerment of the young girl and to make available quality health services to women in hard-to-reach areas in Benin. Details with Ibane Tungwe. The board of the World Bank has approved an International Development Association grant of $90 million to support the government of Benin's effort to improve human development outcomes. The Sahel Women Empowerment and Demographic Project, SWED, including Benin, is a significant investment that will benefit poor communities in rural areas across Benin. The project aims to increase women and adolescent girls' empowerment and their access to quality reproductive, child and maternal health services in selected areas in the country, strengthen capacity of availability of qualified health workers in hard-to-reach areas, and will invest in the continued education of girls. This project is in line with the government's action plan, which aims to boost the country's development through reinforcement of its human capacity. Benin is the seventh country participating in the regional SWED project alongside Burkina Faso, Chad, Cote d'Ivoire, Mauritania, Mali, and Niger. We end this newscast with this other foreign news coming from the Central African Republic that agree on a peace deal with the rebel groups of the country. The peace deal between the government of Central African Republic and 14 rebel groups has been struck after talks in Sudan, according to officials of the country. Betty Limunga tells us more. The peace deal was announced by the United Nations Mission in the Central African Republic, known as MINUSCA, and the African Union, in which both bodies sponsored the talks in Khartoum. According to the African Union Commissioner, Smail Shegun, the event remains a great day for the Central African Republic and her people, given that another page in history for the country's socio-political affairs has been written. Meanwhile, the Central African government is optimistic that peace deal would be signed in Bangui soonest. Details of the peace agreement still to be released, and analysts continue to caution the people that previous peace deals have all collapsed, but not the same this time around. Nonetheless, the country and its citizens continue to look forward for a successful peace deal. We have come to the end of this bilingual newscast, but before we go, a reminder of our major stories. Cameroon joins the world at large to commemorate World Cancer Day, which is aimed at encouraging the early detection and prevention of the cancer disease. Gestion durable de nos forêts, le gouvernement pour garder et surtout préserver l'écosystème naturel à travers une protection et surtout une gestion efficiente de nos forêts. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous vous disons bonsoir et surtout restez en compagnie de nos programmes qui s'achèvent dans les cours de minuit. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir, Santia. Good night, Frank Siri.